Good morning, allez, Iden, les titres aujourd'hui, le Nishmat, mon Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah bat Hana Rachel, Shlomo ben Esther, Risha bat Chaim Nechemia, Lor Lea bat Beila, Shalom ben Chbiba, ainsi que le Fat Avraham Uri ben Reut, Peter Shachon Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sakhat Zvachim, Perikut Bet, Mishnah Bet. Kol, Shelo, Zacha, Misbeach, Biv Sarah, Lo, Zachu, Akohanim, Beora, Sheneemar, Olat, Ish. עולה שעלתה לאיש, עולה שנשחתה שלא לשמה, אף על פי שלא עלתה לבעלים, עורה לכהנים. אחד עולת האיש, אחד עולת האישה, עורותיהם לכהנים. On a évoqué un petit peu dans la Mishnah précédente le sujet de la peau des korbanot qui revient aux kohanim. Et à partir de maintenant, dans la prochaine Mishnah, on va longuement parler de définir dans quel cas de figure exactement, quel type de korbanot, et ainsi de suite. La Mishnah m'enseigne comme ça. D'abord on traduit, après on va voir le pasouk pour comprendre un petit peu de quoi on parle plus. Kol shelo zacha misbeach bivsara. Toute situation où le misbeach ne recevra pas la chair du korban, lo zachu kohanim beora. Les kohanim ne recevront pas en cadeau la peau de l'animal. Shenemar, comme dit le verset, olat ish, la ola d'un homme, ola shealta la ish, que l'on interprète par la ola, l'holocauste, qui par laquelle s'est acquitté un homme. Voilà tel que le pasouk semble le dire, et on va tout de suite ouvrir le pasouk pour un peu mieux comprendre ce qui se passe. On est dans Vayikra, Parashat Tzav, Perek Zayin, et pasouk Chet. Ve'akohen amakriv et olat ish or ha'ola asher ikriv la kohen lo yeh. On est dans une séquence de la Torah où on explique différents korbanot, les parts qui reviennent au kohanim, toutes sortes de détails de korbanot. La Mishnah là-bas, et le pasuk m'enseigne comme ça. A Kohen amagriv et olat ish. Le Kohen qui offrira la ola, l'holocauste d'un homme, aura ola asher ikriv, la peau de la ola qu'il aura apportée, la Kohen, lo ihiye. Pour le Kohen, pour lui, elle sera. C'est-à-dire, la Torah l'a fait un petit cadeau au Kohanim. Elle leur dit, écoutez, c'est bien, vous travaillez toute votre vie au Beit HaMikdash, on va vous donner 24 matanot. Elles sont toutes énumérées dans plusieurs endroits. En tout cas, une des matanotes, c'est de recevoir les peaux de cuir. On peut faire du cuir, ça coûte bien cher même. D'accord ? Une peau de korban. Donc, à la fin de la journée, on récupère toutes les peaux et on les partage entre le nombre de kohanim qui ont servi aujourd'hui. Ok ? Ça, c'est de manière générale. Maintenant, vous avez remarqué dans le passage qu'il a insisté sur le mot olat ish. Da kohen amakri vet olat ish. Le kohen qui offrira la ola d'un homme. De là, la Mishnah qu'on a lue me déduit la Ola par laquelle je me suis acquitté. C'est-à-dire, moi, je suis en Israël. J'ai fait le vœu d'apporter une Ola. J'ai pris un mouton, je suis monté à Yerushalayim, et en arrivant au Beit HaMikdash, j'ai donné au Kohen, et le Kohen, il a égorgé pour accomplir la mitzvah de la Ola. C'est de ça que le Pasuk parle. Donc, puisqu'il a apporté une Olat Ish, une Ola chez Altal Ish, il a fait une ola par laquelle je me suis acquitté, alors il recevra la peau. Ainsi semble dire le pasouk. Sauf qu'il va y avoir un problème avec la suite de la Mishnah. La Mishnah continue en me disant, ola shinishrata shelo lishma. Si toutefois il y a eu une ola qui a été abattue, pas au nom d'une ola. On s'est trompé, le Kohen il a cru qu'il était en train d'égorger un shlamim, comme ce qu'on apprenait dans la Mishnah Perek Aleph, Mishnah Aleph. Alors, on va expliquer, on va rappeler, bien sûr, vous inquiétez pas. En tout cas, Ola Shinishrata Shelo Lishma, s'il y a une Ola qui a été gorgée au nom d'un autre korban, pas en son nom, Afalpi Shelo Alta la Be'alim, bien que le propriétaire ne s'est pas acquitté de son devoir, aura la Kohanim, malgré tout, sa peau reviendra au Kohanim. Et on explique, bien sûr, de quoi on parle. On apprenait la grande règle du début de Zvachim. Kol Zvachim Shinizbechu Shelo Lishman Ksherim, Ela Shelo Alu la Be'alim, Lashem Chova. Tous les korbanot que l'on égorge au nom de quelqu'un d'autre, en général, quasiment tous, on s'acquittera, le korban sera en soi-même kasher, mais le propriétaire ne s'acquittera pas. Sauf le khatat et le pessar, qui est beaucoup plus grave, où le korban est entièrement pasoul, il faudra sortir le brûler, mais on ne pourra plus continuer à l'offrir en korban, à la différence d'une ola. Donc, je reprends mon cas. J'avais dit que j'allais apporter un mouton ola, et j'ai apporté le mouton ola. Le Kohen, ce jour-là, il était un peu fatigué. Et alors là, il a égorgé. Il a dit, oh, quel beau shlamim.
Il a dit, il a commencé à l'égorger en pensant qu'il égorgeait un shlamim. Or, c'était une hola. La Mishnah m'a dit, bah, tu sais quoi? Le korban lui-même, il n'est pas invalidé. Il continuera à monter sur le misbéach. On va le dépecer, on va sortir sa chair, on va la monter sur le misbéach. Et la peau, la Mishnah m'enseigne, bah, la peau, tu la donneras au kohanim. Et moi, qui avais fait le vœu d'apporter une hola, je devrais apporter une autre hola. Pourquoi? Parce que ce kohen fatigué, il a apporté le korban chez l'olishmo. D'accord? Et donc, c'était la règle, que le korban en soi-même, il est kasher, mais qu'il ne marche pas pour moi. Voilà ce que la Mishnah m'enseigne. Or, ça contredit la déduction du pasouk qu'on a évoqué dans la Mishnah précédente, puisqu'on a appris tout ça, l'insistance, la nécessité que le korban soit kasher, ça a été déduit de olat ish, ola chez alta le ish, une ola, une holocauste, qui a marché, qui a fonctionné pour dispenser un devoir. Ainsi semble dire le pasouk. Or, tu me dis que finalement, la hola qui a été offerte au Mizbeach, même si je ne me suis pas acquitté de mon devoir, la peau reviendra quand même au Kohanim parce que le Korban, il est cachère. Il est cachère, certes, mais je ne me suis plus acquitté de mon devoir. Sur ça, il y a un Rambam qui dit quelque chose, qui est rapporté ici, qui est un peu compliqué à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire précisément. Je préfère suivre le Rachash. On a un des méfarèches du chasse, de la Gemara en général, c'est le Rachash. Sur la Mishnah, il a dit quelque chose de super. Peut-être que c'est ça l'intention du Rambam, c'est pour ça que je préfère vous le rapporter directement. C'est qu'en réalité, il faut savoir, lorsque le Kohen dans la lune, il a égorgé le Ola en pensant que c'était un Shlamim, et donc je ne me suis pas quitté de mon devoir, mais il faut savoir que le Korban s'appelle quand même mon Korban. J'ai quand même fait un cadeau à Hachem. J'ai fait un cadeau sans m'acquitter de mon devoir. Par exemple, j'ai débarqué un jour, j'ai fait un beau cadeau à ma femme en pensant que c'était son anniversaire, je lui ai fait un beau cadeau. Finalement, on m'a dit, ouais, mais c'est bien, mais c'était pas mon anniversaire. Bon, alors le cadeau, je vais pas le reprendre, je vais le laisser. Et quand il y aura son anniversaire, moi, je devrais faire un autre cadeau. Principe machal, très simple. Eh ben, c'est le même principe, exactement. On t'a dit d'apporter une hola, tu devais t'acquitter ton devoir, certes. T'as fait un cadeau, mais c'était plus la hola que tu devais faire. Tu dois apporter un autre korban. Mais la hola que t'as fait, ça s'appelle quand même une holat ish. Elle a été offerte en tant que nedava, pas en tant que neder. Si on veut bien parler en la chaude talmudiste. C'était une Nedava et pas un Neder. Tu avais ton Neder, tu t'es pas acquitté, tu devrais quand même l'apporter, mais elle, c'était un Nedava. Donc, ça s'appelle une Olat Ish. D'accord? Ça marche? Suite de la Mishnah, très simple. Echad Olat Ish, Vechad Olat Isha, Orotehem la Kohanim. Qu'il s'agisse d'un Korban d'un homme ou bien d'une Ola d'une femme, leur peau reviendra au Kohanim. La Mishnah a besoin de me préciser dans le passage qu'elle m'a dit Olat Ish, la Ola d'un homme. On a déduit ce qu'on a déduit, mais au sens simple. Quelqu'un pourrait vous dire, non, il y a marqué la hola d'un homme, donc la hola d'une femme, la peau ne revient pas au Kohanim, la femme, elle la reprend pour elle, pour faire ses des chaussures en cuir. On aurait pu croire comme ça. La Mishnah va me dire, non, pas du tout, tu t'as acquitté quand même. Même la hola d'une femme, tu devras l'offrir au Kohanim. Et ça, c'est déduit le Bartanoré à part d'un Pasouk. Ora hola, il y a une insistance dans le Pasouk. On va le revoir de nouveau. Ah non, j'ai enlevé le marque-page. Dommage. Non, il est encore là. Donc il y a marqué « Va kohen amakri vet olat ish ora ola asher ikriv » La peau de la ola qu'il aura apporté. C'est quoi cette insistance? Tu m'as dit la ora ola. Ça veut dire « ora » la kohen, la kohen, je sais pas comment dire, la kohen lotier. D'accord? Pourquoi tu me répètes « ora ola » pour t'apprendre que même une ola qui n'était pas forcément une ola d'un homme, mais qui était même une ola d'une femme, et donc déduit du pasouk « olat ish » autre chose, que ce soit plutôt « ola shalta leish » ou comme ce qu'il dit le Bartanoré pour quelque chose, je ne préfère pas rentrer dedans. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol tout cela.